allez bien? Je suis vraiment excitée parce que aujourd'hui, c'est le début du Vlogmas! J'avoue que je me prends un peu d'avance par contre. Aujourd'hui, je crois qu'on est le 21 novembre. Je me prends d'avance premièrement parce que c'est mon premier Vlogmas, fait que je veux me laisser comme des petits jours d'adaptement pour commencer déjà le montage ce soir dans le fond. À partir du 1er décembre, ben, vous allez voir ce vlog-là en ligne. Aussi, je me prends d'avance parce qu'aujourd'hui, je veux faire comme un petit clean-up, quand même un gros clean-up de la maison pour pouvoir mettre le sapin de Noël. Parce que là, je me suis assez retenue longtemps, là, comme je voulais vraiment attendre encore un petit peu pour vraiment le faire dans le Vlogmas. Mais là, je me suis dit, garde, ça suffit l'attente. Je veux faire mon sapin de Noël. Normalement, je le fais quasiment début novembre, tu sais. Fait que j'ai assez attendu. J'essayais aussi d'attendre qu'il y ait de la neige, mais tu sais, depuis que j'habite à Mirabel, la neige se fait rare. C'est pas le Saguenay. Donc voilà, je me suis résignée d'attendre la neige. Et de toute façon, il va probablement en avoir comme dans 2-3 jours. Je pense qu'il annonce une tempête en fin de semaine quand je descends au Saguenay. C'est vraiment cool, je prends l'auto. Fait que ben c'est ça, j'ai décidé de vous amener aujourd'hui avec moi. Puis il y a comme plein de petits trucs qui vont se passer tout le long du mois de décembre. Pour ceux qui le savent pas, j'ai ma compagnie, ma petite compagnie pour Pitou Minou and You que j'ai commencé. Fait que je vais vraiment vous amener avec moi dans le processus de la collection du temps des fêtes que je suis censée recevoir mardi dans le fond ou lundi. Fait que soit après-demain ou l'autre après-demain. Parce que là en ce moment on est samedi. Fait que c'est ça, aujourd'hui il faut que j'aille justement au magasin de tissus proche de chez moi racheter des tissus d'Harry Potter parce que la collection d'Harry Potter a vraiment quand même pogné aussi. Si vous êtes fan d'Harry Potter, de toute façon le lien du Instagram de ma petite compagnie québécoise va être dans la barre d'infos. Puis je vous mets le nom juste ici. Puis ben c'est ça, je vous amène allez Minou, je vous amène avec moi. Et on va faire un petit clean-up de mon appart. Bonjour bébé! Il y a de la jasette aujourd'hui. T'es là? Ben oui, bonjour mon cœur, bonjour. Ah, pour ceux qui se demandent, parce que je me le fais souvent demander, ok. Là, ils veulent jouer, là. Ce que je disais, c'est que pour ceux qui se le demandent, parce que je me le fais quand même souvent demander, Il est pas en détresse quand il miaule comme ça, mon chat. C'est vraiment juste qu'il est sourd, donc il s'entend pas miauler. Fait que ses miaulements sortent un petit peu tout croche. Donc c'est pour ça. Fait que voilà, c'est parti pour le Vlogmas. Bon temps des fêtes tout le monde. Allô toi, est-ce que tu dis bon Vlogmas à tout le monde? Est-ce que tu dis le bon Vlogmas à tout le monde? C'est le premier Vlogmas à Milo et maman. Oh! Ils sont chanceux, les amis. Ils vont voir toi pis tes pattes de Grinch à chaque jour durant le mois de décembre. Les belles pattes de Grinch, t'es beau. Un petit disclaimer, vous allez probablement souvent voir des vidéos de Milo durant le Vlogmas. Je peux rien y faire, je suis accro à ce chien. Sûrement à mon Minou aussi, j'aime tellement les animaux, j'adore mes animaux. Fait que... vous êtes avertis, mais je penserais pas que ça vous dérange. Je pense que si vous m'écoutez, vous êtes un peu comme moi, puis vous tripez aussi sur les animaux. Fuck. Bon, ok, fait que je m'apprête à aller au magasin de tissus, puis ça, c'est les deux tissus qu'il faut que je... ben, que je rachète, dans le fond, pour que je re-aie en stock. Ils sont vraiment populaires, les petits hérissons comme ça. Puis ce tissu-là d'Harry Potter qu'il faut que je rachète, il m'en reste plus beaucoup. Fait que je m'en vais faire ça, puis je vais probablement me laisser tenter par d'autres tissus, mais j'essaye de vous amener avec moi. C'est parti! Il fait tellement beau, la gang, là. Ouf, puis il y a l'air d'avoir une grosse file au magasin de tissus. Où je vais? Wow, le focus! Ouais, il a l'air d'avoir une grosse file, mais c'est pas pire parce que, comme je vous dis, il fait vraiment beau, comme j'ai tout le manteau détaché. Fait que voilà! Je vais essayer de filmer à l'intérieur, je sais pas si je vais pouvoir, parce que s'il y a trop de monde, je sais pas. Mais là, j'arrive, fait que je repars. Ok, je suis trop énervée, je suis de retour chez moi. Ce sera pas long. Le Gatorade bleu, c'est tellement le meilleur. Bref, c'est vraiment pas ça que je voulais vous dire. J'ai pas pu filmer en dedans. Ben, c'est pas que je pouvais pas, en fait, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis, tu sais, par respect pour les autres, ben, j'essayais de me dépêcher vu qu'il y avait quand même une grosse file. Fait que, tu sais, j'ai juste pris ce que j'avais besoin de prendre. Puis, je suis partie. Fait que j'ai pris les deux tissus
hérisson et Harry Potter, mais je suis trop excitée parce qu'en cherchant les tissus hérisson et Harry Potter, je suis tombée sur un tissu de sushi. Puis je me l'ai vraiment fait beaucoup demander si j'avais des tissus de sushi, donc maintenant oui. Aussi, j'ai acheté, c'est comme un tissu pour faire des cotons de maquillage réutilisables parce que sneak peek, il y a personne qui le sait encore, je l'ai même pas annoncé au moment où je vous parle sur mon compte de Pourpitou Minou et New et nulle part que j'allais faire des cotons de maquillage réutilisables, mais c'est un petit projet que je prépare depuis un petit bout puis que je pense. Fait que je me suis dit tant qu'à faire, je vais le prendre tout de suite. Puis je vais comme faire des patrons puis faire des modèles si on peut dire pour savoir vers où je vais m'aligner. On dirait que je suis vraiment pas claire dans ce que je dis. Mais en fait, c'est pas clair dans ma tête encore. Fait que c'est ça. Ça va plus être après le temps des fêtes parce que là, j'ai comme un gros rush là, pendant le temps des fêtes pour la collection de Noël. Mais après, ou peut-être que je vais les sortir comme pour les cadeaux de Noël. Fait que restez à l'affût si vous écoutez ça. Mais voilà. Je suis trop excitée. Je suis vraiment trop excitée. Fait que ben, je vous reparle plus tard. Mais toujours ses fucking pieds. Genre, il y a comme des gougounes Nike, je pense, en tout cas. Il met toujours ses fucking pieds là-dessus, sur notre meuble blanc. Fait que, genre, ça fait des grosses traces. Fait que là, j'ai pris un défenseur magique, ma lunette, puis j'espère que ça va partir. Ah, mais ça part un peu. Ouais, ça part un peu. Vous voyez? Bon, là, ben, j'étais en plein de ménage, j'ai pas tout terminé, mais j'ai fait de la place pour le sapin. On va mettre le sapin là, dans le fond, là, il y avait comme le bac de jouets à Milo, bébé, qui était là, je l'ai mis comme dans le fond là, en arrière de la plante. Fait que d'après moi, le sapin va être là. Je suis comme en interrogation de si je le fais là, là. Parce que, anyway, Tom, il aime pas ça faire ce genre de choses, là. Tu sais, faire le sapin pour lui, comme. Il aime ça avoir un sapin, mais il aime pas ça faire le sapin. Puis là, ben, en ce moment, il est au travail. Puis il travaille demain aussi. Fait que, je pense que je vais. Ah, je sais pas. On dirait que je suis comme en interrogation de si je fais le sapin là, là, ou demain. Je pense que je vais le faire là. Ça va être fait. Sors-tu le sapin pour vrai? Sauf que là, l'affaire, est-ce que je le fais ce soir ou je le fais là? Parce que le sapin est dans le garde-robe d'entrée vraiment haut. J'ai peur de tout faire tomber. Fait que je. Je vous apporte avec moi dans le fond dans mon questionnement en ce moment. Là. C'est ça que je suis en train de faire. C'est quasiment lourd. Ok. Je pense que je vais attendre Thomas. Pour qu'il puisse me le descendre. De toute façon, il finit à 5h. Fait que c'est pas dramatique. Puis en attendant, je vais comme me mettre dans les cotons des maquillages réutilisables. Puis vous allez voir un sneak peek, probablement. Vous allez être les premiers à avoir un sneak peek. Fait que. Ok, je vais faire ça. Je vais checker les cotons des maquillages. Bon, ok. Là, il est un petit peu plus tard. Parce que j'ai fait charger ma caméra. Fait que. Entre temps, j'ai eu le temps de faire des colons des maquillages réutilisables. Donc, j'ai fait celui-là. J'ai fait celui-là. Et j'ai fait celui-là jusqu'à présent. Fait que là, je vais mettre la liste de prix ce soir sur mon Instagram. Ça, c'est comme juste des essais. Là. Il y a comme plusieurs types de grandeurs que j'ai faites. Mais c'est ça, je suis en grosse production, les amis. Là, Thomas vient d'arriver. Je m'en vais à l'épicerie acheter des petits trucs qui nous manquent. Qui me manque surtout. Tom il dit que lui il a tout ce qu'il faut. C'est ça un gars, hein. Puis moi, ben, je m'en vais. Excusez. Puis là, ben, c'est ça. Moi, je vais aller acheter des petits trucs qui me manquent. Et puis, je pense que Thomas va me descendre le sapin pour que je puisse faire ça ce soir.
Ok, fait que j'arrive de l'épicerie. C'était pas une grosse épicerie, là, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Premièrement, j'ai pris ça parce que j'aime vraiment ça, manger ça. Ça, c'est comme... puis je trouve ça quand même mieux que des chips, mettons, là. Peut-être pas, en fait. Peut-être que c'est juste dans ma tête, mais... tu sais, je pense quand même que c'est moins pire que des chips. Ensuite... moi, putain, on est des grands consommateurs de mayonnaise, puis on en avait plus, fait que je nous ai racheté un pot. Je me suis repris mon pain sans gluten. Ça, je trouve vraiment que c'est le meilleur pour en avoir essayé depuis que je suis née, en fait. C'est le meilleur que j'ai goûté jusqu'à présent. Pour ceux qui savent pas et qui sont nouveaux sur ma chaîne, j'ai la maladie cœliaque. Fait que j'étais intolérante au gluten, mais tu sais, pas juste intolérante, genre. J'ai des petits mal de ventre, j'ai vraiment la maladie cœliaque. Fait que voilà. Ensuite, je me suis repris du jambon, puis je prends toujours le jambon LF Fortin parce que justement, il est sans gluten, puis je trouve vraiment que c'est le meilleur. J'ai pris des bananes. Normalement, on les prend tout le temps chez Costco. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à Costco. Pendant le vlogmas, c'est clair, vous allez voir nos hauls Costco parce qu'on y va aux 2-3 semaines environ. Fait que c'est clair, vous allez voir des hauls Costco. Préparez-vous. Mais c'est ça, normalement, on les prend chez Costco, mais sauf que... oui, c'est vraiment pas cher chez Costco, mais on les perdait tout le temps parce que c'est genre un gros paquet géant. Puis tu sais, des bananes, quand t'es juste deux, ça passe pas vite, là, tu sais. Après ça, j'ai acheté 3 pommes. Moi, je suis une grande bibitte à fruits. Il me faut tout le temps des fruits. J'ai pris du poulet, là, fun fact, quand j'étais à l'épicerie, j'ai regardé vite vite, puis j'étais là, ah, il y a du noir dessus, c'est bien dégueulasse. Mais je me suis juste rendu compte que c'était parce que le poulet était tranché vraiment mince. Puis c'était juste l'enveloppe du dessous qu'on voyait. Bravo Gab! Ensuite, j'ai pris des framboises congelées. Parce que premièrement, ça vaut vraiment plus la peine. Oui, c'est moins bon que des framboises direct dans le paquet de framboises. Mais qualité-prix, j'aime tellement les framboises. C'est mon fruit préféré. Fait que c'est plus économique de prendre ça quand je vais pas chez Costco. Et puis, dernier truc. J'ai pris de la bière, mon petit chum. Voilà, ça c'est pour Thomas. Puis c'est pas mal tout pour l'épicerie. Là, je suis en train de me faire du riz. Tom, il a pas full faim. Parce qu'il a quand même souper tard, dîner tard, je veux dire, pendant sa pause. Fait qu'il a comme pas faim. Il va juste souper plus tard. Moi, je vais me faire mon plat de... justement, c'est prêt. Mais je me suis fait du riz, puis je vais mettre du fromage dedans avec de la sauce soya. Si vous avez jamais goûté à du riz au fromage, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? J'ai fini de souper, puis là, Thomas m'a sorti le sapin! Fait que c'est notre belle boîte de sapin. Fait que je vais m'apprêter à monter ça. Puis en attendant, pendant que je vais monter le sapin, je vais finir le podcast en privé, s'il vous plaît. Le nouveau podcast de Lucie et Cindy. Je capote. J'ai écouté l'épisode 1 hier. Puis là, j'étais là, oh my god, j'ai tellement hâte qu'ils en sortent une nouvelle. Puis là, ils en ont sorti une aujourd'hui. Puis comme tu sais, hier, je l'écoutais comme plus tard qu'il y avait sorti. Là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui me fait rire, c'est que Cindy, j'ai commencé à la suivre quand elle avait 4 ou 5 000 abonnés. Genre, ce que moi j'ai en ce moment, ça me fait halluciner. Genre, je la suis depuis son début. C'est tellement une belle personne. Lucie aussi, d'ailleurs. Ses montages sont insane. Mais tout ça pour dire que leur podcast, si vous ne l'avez pas écouté, c'est sur la chaîne de Billie. B-I-L-L-I-E. Tu sais, eux qui font, mettons, dans la garde-robe de. Ben, c'est ça. C'est sur leur chaîne, puis ils font un podcast. Puis là, en privé, s'il vous plaît, le numéro 2, on parle de sexe avec Geneviève Coulombe. Très intéressant pour vrai. Je sens que ça va vraiment être un cool podcast. Puis les autres à venir aussi. Fait que je vous conseille fortement d'aller écouter ça. Puis ben moi, je vais faire mon sapin de Noël. Puis ben c'est ça, je vais finir le podcast. Il dure 1h21, puis j'étais à 38 minutes déjà d'écouter. Let's go! Un sapin blanc. Ça fait vraiment bizarre avec le reflet de la lumière. Là, il me laisse arranger un petit peu les branches, là, parce que là, ça a l'air fou un peu. Puis à décorer! Grosse gadoune!
sapin! Sauf que là, il manque un petit peu de boule parce que monsieur ici présent, l'année passée, il en a mangé une coupe. Fait que je vais peut-être retourner au Dollarama, racheter un petit kit de boule ou quelque chose du genre. Là, il nous reste des petites décos à me placer, là. Il reste cette petite boucle-là. Puis aussi, j'ai acheté ça la dernière fois. Genre moi, ça, là, je capote des trucs comme ça. Et puis, j'avais trouvé ça au Dollarama. Genre, c'est vraiment cute. Ils ont vraiment des belles décos, regardez. Fait que je vais placer ça. Hola, amiga. Amigo. Amigo, je veux dire. C'est trop cute, mon sapin, dans le fond. Là, il est pas mal plus tard. Il est rendu 10h07, précisément. J'ai fait... Dans le fond, j'ai eu vraiment plein de commandes. J'ai annoncé les cotons démaquillants, finalement, sur mon compte. Fait que j'ai eu, comme, vraiment plein de commandes. Puis là, vu que j'avais déjà vraiment beaucoup de commandes en attente, puis ceux de Noël aussi, que je peux pas commencer tant que j'ai pas reçu mes tissus, ben comme... Je me suis... Désolée, mon chum, il game en arrière. Je me suis clenchée, genre, j'ai plein de cotons démaquillants à faire. Fait que je vais pas mal faire ça jusqu'à... tard ce soir, peut-être même jusqu'à 1h du matin. C'est dessus. C'est pas plus. Fait que je vais vous laisser ici. C'était le premier vlogmas. J'espère que vous avez aimé. Pour vous, on se revoit demain. Et puis pour moi, dans le fond, je vloggerai pas demain. La seule raison pourquoi j'ai commencé le vlogmas aujourd'hui, c'est parce que je voulais faire mon sapin. Puis je voulais qu'il soit dans le vlogmas. Donc, c'est pour ça. Mais je vais vlogger comme dans 2-3 jours. Là. Je vais vraiment officiellement commencer le vlogmas dans 2-3 jours. C'est juste qu'aujourd'hui, j'avais pas le choix de filmer, vu que je voulais faire mon sapin. Fait que voilà, bon vlogmas. J'espère que vous aimez ça. Et laissez-moi des commentaires. Ça me tente de vous lire. Ça me tente qu'on jase pendant le vlogmas. Fait que gênez-vous vraiment pas. Merci, je vous aime. On se voit demain.